Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Clairvoyance. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur la grande conjonction Jupiter-Saturne qui a lieu pour ce solstice d'hiver le 21 décembre 2020. Donc, je vais vous donner en tout cas ce que j'ai noté, ce que je ressens pour cette occasion de ce solstice, pardon. Et puis, signe par signe, on va avoir un avant-goût de cette année 2021, ce qui s'annonce pour les signes dans le premier trimestre d'abord, et puis on regardera un peu les tendances de l'année. Alors, on y va, c'est parti pour cette grande conjonction Jupiter-Saturne qui aura lieu pour ce solstice d'hiver le 21 décembre 2020. Donc, c'est l'opposition de Jupiter et Saturne dans un signe d'air qui est le Verseau. Qui forme un carré avec Uranus en taureau. Alors, ici, on parle de changement. Là, le solstice qui s'annonce là, c'est vraiment le changement. Pour voir les changements se manifester de façon durable, on parle ici de voir se réaliser nos souhaits. Alors, il sera conseillé de clarifier les expériences que nous ne voulons plus faire, et privilégier celles que nous désirons, en tout cas celles dont on voudrait faire l'expérience. Jupiter, qui est quand même la plus grande planète du système solaire, qui est grande, elle est généreuse, hein, offrant des opportunités et de la chance, mais en plus de l'expansion, c'est une énergie très bénéfique. Avec Saturne, Saturne qui planifie, structure, encadre, ralentit, stabilise. Avec Saturne, ici, on peut envisager certaines stratégies, les stratégies de planification, pour voir se réaliser dans la matière les projets bien réfléchis et organisés. Jupiter vient alors vous aider. Une fois que... Il faut vraiment voir que Saturne, elle est là pour encadrer, structurer. Et Jupiter, une fois que vous avez bien encadré vos projets, Jupiter arrive et généreuse comme elle est. Elle vient vraiment vous donner toutes les opportunités et en plus en expansion. Alors, le Verseau, c'est un signe d'air. Donc, les signes d'air, on parle ici du mental, de la communication, mais aussi des inventions, de la technologie. Il y a surtout ce côté humaniste chez le Verseau. Donc, les idées pour le collectif vont être avantagées. En plus, quand ça forme un carré avec Uranus, ça marque un nouveau départ. Alors, qui dit nouveau départ, dit nouveaux objectifs, nouveaux outils. Jusque janvier, pour beaucoup de signes fixes, les projets vont voir le jour et on va passer à la récolte. Entre Jupiter, qui est quand même l'opportunité de croissance, l'expansion, et Saturne, qui parle d'encadrement et de structure, les réalisations vont vraiment voir le jour. Alors, on va passer au signe par signe l'avant-goût de 2021 de ce qui se présage pour vous. Alors, pour les béliers, ici, on gagne en clarté d'esprit et cette clarté d'esprit vous permet de rencontrer les bons partenaires. Il y a vraiment des opportunités à croître chez vous, les béliers. C'est la construction stable et durable. La seule chose qu'on vous demande ici, les béliers, c'est d'oser passer à l'action. En janvier, de bonnes nouvelles sont au programme. Profitez des énergies pour vous mettre en avant. Tout va dépendre de ce premier trimestre. Cette année 2021, pour vous, les béliers, elle démarre à partir du 21 décembre 2020. Vous démarrez sur les chapeaux de roue, les béliers. Les taureaux. Alors, les taureaux, vous avez les opportunités à réaliser vos projets, surtout les projets qui ont commencé en 2020. L'expansion de Jupiter vous pousse à vous établir, vous vous affirmez de plus en plus au point de vous montrer tel un leader. Votre travail acharné, les taureaux, vous récompense. Surtout en termes de ressources et de reconnaissance, ici, chez les taureaux, il y a un truc magnifique. La seule chose qu'on... On vous demande d'être prudent quand même à partir du 21 décembre jusque le 27-28 décembre.
c'est de faire attention à ne pas être trop impulsif. Parce qu'avec Uranus qui est là, Uranus va vous pousser dans la précipitation. Donc pour les taureaux, on va vous demander de freiner un peu vos ardeurs. En tout cas, chez le taureau, il y a beaucoup de choses qui se terminent. Il y a des ruptures. Alors ça peut être des ruptures de contrat, des ruptures amoureuses. En tout cas, il y a beaucoup de ruptures là, cette fin d'année, début 2021. Et ces ruptures vont vous guider pour vous mener vos projets vraiment qui vous tiennent à cœur. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, ça c'est de la reconnexion à soi pour 2021. Elle se fait sentir fin décembre, début janvier. Vous gagnez en popularité les Gémeaux. Votre énergie vous pousse à relever de nouveaux défis. Vous devenez expert dans votre domaine d'activité. Depuis 3 ans les Gémeaux, vous êtes freiné. Alors, vous êtes. Comment on pourrait dire ça? Vous êtes freiné dans vos activités parce qu'il y avait ce souci de ne pas se mettre en avant, ou peut-être une peur, une pudeur aussi, c'est possible. Mais en tout cas, l'année 2021 va vous pousser à gagner en popularité et vous allez devenir des experts dans le domaine d'activité, qu'ils soient professionnels ou passionnels. Ça peut être des passions aussi, en tout cas. Vous grandissez et vous êtes mis sur le devant. Pour les cancers, alors là, ça va concerner le 21 décembre, ici. Ça va concerner vos relations personnelles et surtout vos relations aux finances. Les cancers, vous faites de nouvelles rencontres. Vous êtes vraiment à la recherche de stabilité et vous êtes cette année désireux de partager et d'échanger. Vous pouvez réussir ce que vous voulez, les cancers. La seule chose qu'on vous demande, c'est de choisir vos collaborateurs ou vos partenaires de vie avec beaucoup de soin. Vous pouvez vous établir aisément, mais ça passera par une prise de décision. Il y a vraiment cette idée de renouveau chez vous, les cancers. Il va falloir bousculer tout ce qui ne vous convient plus. Et puis, mais vraiment décider, eh bien, de se délester, de se libérer des anciens partenaires, des anciennes relations, même sur l'aspect professionnel, c'est comme chez les taureaux, il y a des ruptures là qui s'annoncent. Pour les vierges, alors étape par étape on grandit, mais vous ne grandissez pas seul les vierges, vous allez avoir besoin de partenaires ou de collaborateurs aussi. Ce qu'on va vous demander en ce début d'année, les Vierges, c'est de vous associer et d'associer vos compétences pour vous enrichir. Vous serez soucieux cette année, les Vierges, de votre apparence physique et de ce fait, vous allez reprendre une bonne hygiène de vie. De nombreux changements dans votre vie sont à prévoir, mais c'est vraiment dans l'idée d'un mieux-être. Il y a beaucoup de dynamisme chez les Vierges cette année. C'est vraiment l'élan du renouveau. Il y a quelque chose. Il y a vraiment cet aspect bien-être et cette beauté physique qui arrive chez vous, les Vierges. Vous avez vraiment envie de ça. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas le faire seul cette année parce que le fait d'être accompagné par un partenaire ou un collaborateur va vraiment vous aider à accomplir de très belles choses, les Vierges. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Les balances. Alors, la créativité, elle, va vous propulser, les balances, cette année. Amis artistes, là, chez les balances, vous revenez au devant de la scène. Vous allez, en plus, tomber amoureux cette année, les balances, parce que vous brillez au quotidien. Et vous vivez sous les projecteurs. Vraiment, il y a vraiment cette idée de revenir sur les planches. Moi, je ne sais pas pourquoi je pense aux artistes là. En 2021, il y a vraiment. Vous êtes, pour les balances, propulsés sur le devant de la scène. Et là, vous reprenez vraiment aisance avec tout ce que vous aimez. Vous aimez ça, les balances, briller et être mis au devant de la scène. Alors les lions, vous allez cette année, à partir du 21 décembre, déjà ça se fait sentir,
vous allez rentrer dans des relations plus engagées. Il y a une nouvelle histoire d'amour ou un nouveau travail qui s'installe chez vous, les lions, et c'est de plus en plus intéressant pour vous. Que ce soit en amour ou professionnellement, il y a cette notion de s'ouvrir à autre chose. Pardon. Alors, vous vous engagez, les lions, mais attention, on réfléchit. On réfléchit avant de s'engager parce que dans le souci d'éviter les malentendus. Cette année, vous êtes poussé littéralement à être vous-même. Donc, être soi-même, ça va aussi passer par des impulsivités chez vous, les lions. Alors, attention au règlement de compte parce que vous risqueriez d'être tellement impulsif, de dire des choses brutes de pomme et ça risquerait d'être mal pris. Enfin. Après, si ça doit être dit comme ça sera dit comme ça. En tout cas, on prévoit ici beaucoup d'échanges explosifs parce que ben, les changements vont parfois se faire de façon très très impulsive. Donc, les lions, si vous voulez obtenir des choses avec facilité, usez plutôt de diplomatie. Les scorpions. Alors, les scorpions, à partir du 21 décembre, on va vraiment passer dans le côté. Ce désir de sécurité, de stabilité chez vous. Pardon. Eh ben. Alors, chez les scorpions, la sécurité va se faire aussi bien sur l'aspect financier que sur les émotions. Là, les scorpions, en ce début d'année, vous allez vivre une révélation et vous allez comprendre vos besoins et vos valeurs. Il y a un retour de stabilité chez vous, c'est cet ancrage qui revient, mais dès la fin de l'année, chez vous, et ça va vraiment vous aider à grandir encore plus. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une entreprise artisanale ou artistique qui voit le jour chez vous, ou alors c'est une nouvelle branche d'activité qui s'offre à vous, en tout cas les scorpions. Vous êtes soucieux ce début d'année de retrouver une sécurité, une stabilité. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, il y a une éclipse solaire du 14 décembre qui vous fait repartir avec énergie dans une nouvelle direction. Vous trouvez les partenaires au ressenti, au feeling. Vous faites appel à cette intuition, à ce ressenti qui est le vôtre, et vous trouvez les bons partenaires. Votre ligne de vie ou votre mission de vie, où votre voix prend un virage astronomique. Il y a une clarté là qui vient vous chambouler. Il y a une fluidité qui vous envahit au point de vous sentir à l'aise dans une nouvelle forme de communication. Là, les Sagittaires, vous allez vraiment, à partir de ce 21 décembre, il y a quelque chose qui vient s'ouvrir et s'offrir à vous ou je pense surtout à ceux qui travaillent avec l'intuitif, avec leur ressenti. De toute façon, ça va propulser chez vous. Il y a une nouvelle forme de communication qui se met en place. Et là, vous prenez un virage énorme. Donc, ça, c'est pour les Sagittaires. Il y a aussi ce côté formation. Vous partagez vos connaissances. Au plus large public. Il y a vraiment cette notion de partage, d'ouverture chez vous les Sagittaires 2021, c'est magnifique. Les Capricornes, alors le soleil en Capricorne vous éveille et là on s'éveille à partir du 21 décembre. Vous êtes bien déterminé à vous faire entendre et à sortir de terre les projets retenus depuis 3 ans. Là, les Capricornes 2021, mais à partir du 21 décembre, de toute façon, il y a quelque chose, vous allez le sentir, ça va changer chez vous. Vous savez attirer l'attention et vous vous permettez à la réalisation de vos rêves. Jusqu'à présent, beaucoup de Capricornes ne s'autorisaient pas et ne se permettaient pas. Aujourd'hui, en tout cas, à partir du 21 décembre, ça y est, on lâche des freins, des blocages, et là, on y va et on se permet à la réalisation. Si vous avez semé des graines fertiles ces dernières années, vous allez récolter en 2021 les Capricornes. Moi, je suis heureuse pour vous. Je suis vraiment heureuse.
Les Verseaux, alors les Verseaux, fin décembre, magnifique. Un nouveau départ est sonné. Là, c'est parti. Le 21 décembre 2020, ça sonne le départ d'une nouvelle année. Et 2021 sera pour vous audacieux. Alors, que ce soit sur le plan physique ou psychique, une métamorphose débute dès la fin décembre. Vous êtes parti pour un véritable renouveau bénéfique et favorable, les Verseaux. En tout cas, ça va être. On rentre dans l'ère du Verseau. Donc, l'ère du Verseau, c'est du changement, c'est un nouveau départ. Il y a une nouvelle forme de communication, une nouvelle façon de nouveaux outils. Vous découvrez beaucoup de choses, les Verseaux. En 2021, c'est une superbe année pour vous. On termine par les Poissons. Les Poissons, vous êtes à la recherche de partenaires ou de collaborateurs, mais identiques à vous. Poussé par votre naturel spirituel, vous développez des dons. Saturne vous structure au sein d'une élévation, tandis que Jupiter vous aide à vous expanser. C'est de la combinaison idéale pour les médiums, les voyants, les guérisseurs, toutes ces personnes qui travaillent avec les énergies, ici les poissons. C'est magnifique. Voilà pour cette grande conjonction Jupiter-Saturne. Il y aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, mais moi je ne suis pas astrologue. Je voulais juste aller jeter un œil pour l'année 2021 pour savoir comment ça se passait. Je vous ai donné mes ressentis, ce que j'ai pu y voir. Et moi, je vous souhaite une excellente année 2021, un très très bon solstice d'hiver. Il va être splendide. C'est vraiment le top départ d'une transformation, d'une métamorphose pour tous les signes du zodiaque. Je vous remercie, j'attends de vous lire. Et puis je vous dis à très bientôt.